Oui, mes premiers mots d'abord, ce sont les mots de gratitude à l'endroit de la Ligue régionale de basket, à ta tête, le président Sidibé. Je voulais le féliciter sincèrement pour cette parfaite organisation de cette première édition de la Coupe qui porte le nom du maire de Ziguinchor. Je pense que pour une première, c'est fait un coup de maître. Donc je voulais le féliciter, féliciter toutes les équipes qui sont venues de Oussouy, de Bignona, mais aussi celles de Ziguinchor, qui ont participé à ce tournoi. Féliciter les deux équipes vainqueurs, que ce soit CMT Basket Club en filles. Encourager Larry Diouf, qui était doublement finaliste, en filles aussi. Donc féliciter très sincèrement Larry Diouf, qui a gagné cette finale homme de haute lutte. Et encourager l'Assansec Université Club, qui a fait en tout cas un parcours exceptionnel. Donc je voulais féliciter tout le monde. Féliciter les arbitres, féliciter la presse. Je pense qu'aujourd'hui, c'était la fête de la jeunesse de Ziguinchor et je pense que je repars ici très satisfait. Mais nous avons résolument pris la décision, avec l'accompagnement de l'Association internationale des maires francophones, de construire 8 aires de jeux de proximité dans les différents quartiers, où il y aura du basket, il y aura du volleyball, il y aura même du karting pour dans certains quartiers, mais aussi du bowling. Donc nous allons le faire et puis ensuite, vous savez que nous avons le grand projet de Ziguinchor City Center où nous avons une arène complètement couverte, comme une sorte de Ziguinchor Arena, où il y aura du basket, mais aussi on pourra pratiquer les arts martiaux et d'autres sports de combat. Donc je pense que nous allons vraiment vers des lendemains meilleurs dans le domaine des infrastructures et je voulais dire à la jeunesse que tant que nous serons toujours à leur côté pour les accompagner, pour qu'elles puissent s'épanouir dans le sport qui est là.